Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love Christ sur Africa Today. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série qui s'intitule « Laissez Dieu combattre pour nous ». Nous avons certainement tous entendu dire que la vie est un combat. Le combat, c'est à tous les niveaux. Que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, petits ou grands, jeunes ou vieux, pauvres ou riches, intelligents ou retardés, en santé ou malades, travailleurs ou chômeurs, mariés ou célibataires, avec ou sans enfants, dans quelque domaine que ce soit de la vie, nous devons devoir nous battre pour avancer, pour pouvoir nous en sortir. Jusqu'à la mort, nous mènerons le combat de la vie. Comme Ecclésiaste 9:2 dit, tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas, il est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. En termes de difficultés, bien-aimés, et la fin de tout homme dans le monde, qui est la mort, nous sommes tous exposés. Pour cette raison, beaucoup de gens ne voient pas l'importance et la différence que ça fait en marchant avec Dieu. La question est la suivante. Si le chrétien et le non-chrétien doivent tous subir les mêmes adversités et mourir, quel est donc l'avantage que j'ai à croire en Dieu? Est-ce seulement accepter une promesse qui vient après la mort? En réalité, beaucoup de chrétiens voient encore la vie chrétienne sous cet angle. Leur croyance en Dieu, c'est beaucoup plus pour réserver sa place au paradis pour l'éternité. Pour cette raison, beaucoup pensent jouer leur vie ou mener leur vie sans discipline et privation jusqu'au moment de la mort. Quel désastre, quelle perte, rejeter toutes les bénédictions, la grâce et l'amour de Dieu qui donne un sens à nos vies, qui nous encourage, qui nous fortifie et nous rassure. C'est très mal de penser ainsi. Car la vie chrétienne, en fait, est une vie avec le Christ au centre. Une vie centrée sur Jésus-Christ prend toute autre dimension. Comme Jean 5:4-5 dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Quand nous mettons notre foi en Dieu vivant, quand nous avons réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand nous croyons fermement en lui, bien que subissant les mêmes adversités que ceux du monde, la manière dont nous endurons ces adversités est différente. Nous vivons tous différentes saisons de pluie, de froid, de chaleur, d'hiver ou d'été. Ceux qui vivent dans la rue et dans la maison feront face à ces mêmes saisons, mais ceux qui vivent dans la rue sont exposés et seront directement frappés par les intempéries, tandis que ceux qui vivent dans la maison sont couverts. Au moment où ils arrivent dans leur maison, possédant des thermostats, ils sont à l'abri. Il est de même pour les chrétiens et les non-chrétiens. En tant que chrétiens, nous trouvons notre abri dans les mains du Dieu vivant. Comme Psaume 27:5 dit, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Quoi que nous endurons dans nos vies, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à nous approcher de lui, de nous confier à lui, il nous invite à lui remettre nos combats, à déverser sur lui tous nos soucis. Comme 1 Pierre 5:7 dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Tout ce qui fait l'objet de nos soucis doit trouver leur place auprès du Seigneur Jésus. Il prend nos soucis et nos fardeaux lourds, qui nous accable et nous remet son fardeau qui est léger. Comme Matthieu 11, 28 à 30 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle.
qu'est-ce que nous comprenons dans ces versets? Jésus-Christ nous donne du repos quand nous venons à lui. C'est une décision, c'est notre choix. Nous sommes tous chargés et fatigués par nos multiples occupations et problèmes de la vie. Également, en recevant ces instructions, nous trouverons du repos pour nos âmes. Jésus-Christ nous libère de tout fardeau. Il nous guide dans le meilleur chemin pour nous libérer de nos inquiétudes et problèmes multiples. Bien-aimés, quel est le lourd fardeau très fatigant que tu transportes sur toi tous les jours? Va au Seigneur Jésus-Christ, décharge-le auprès de lui et il prendra soin de toi. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Père éternel, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'approcher de ton trône de la grâce pour trouver du secours dans tous mes besoins. Je remets tous mes combats entre tes mains dans cette vie. Guide-moi, illumine-moi, car la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ma foi que je mets en toi. Merci de me donner le triomphe au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. L'avons dit, dans ce monde, les chrétiens et les non-chrétiens subissent les mêmes difficultés. Dieu est juste et bon et il étend sa bonté sur tout le monde. Dieu aime toutes ses créatures, même ceux qui le rejettent. Comme Matthieu 5, 45, c'est dit, « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Rien qu'en regardant des yeux, on est souvent tenté de croire que ceux qui font le mal prospèrent et s'en sortent. On pense que la réussite mondaine appartient à ceux qui ont le pouvoir, l'argent et qui peuvent utiliser ce pouvoir pour obtenir ce qu'ils veulent. On a l'impression que ceux qui font le mal et qui sont justes sont en arrière et n'évoluent jamais. Comme Malachie 3, 14, 15 dit, « Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. » Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Le Seigneur connaît le cœur des hommes et toute leur moquerie le concernant et concernant les justes. Comme Psaume 37, 13 dit, le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. En réalité, Dieu est éternel et il sait que nous sommes passagers pour un temps sur la terre. Ça doit réellement l'amuser de voir une personne éphémère se comporter mal. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous sommes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite qui disparaît. Nous sommes comme l'herbe ou la fleur de l'herbe qui tombe et qui sèche. Le Seigneur est au contrôle de tout ce qui se passe. Et ses commandements, ses recommandations et ses principes ainsi que ses promesses pour nous restent applicables. Le Seigneur a un standard spécial réservé pour ceux qui l'écoutent et le craignent comme Malachie 3, 16 dit « Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Le Seigneur écoute nos cris, il est conscient de nos pleurs qui s'élèvent à lui. Un livre de souvenirs est ouvert devant lui pour enregistrer nos frustrations, nos peurs, nos pleurs, nos inquiétudes. Le Seigneur prépare un temps spécial pour réagir. Comme Malachie 3, 17, 18 dit, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le Seigneur te prépare à faire éclater
la différence nette entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Il prend son temps pour le faire. Le silence du Seigneur devant nos difficultés ne veut pas dire qu'il nous abandonne. Il a juste une manière différente de réagir en notre faveur. Psaume 37, 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Nous devons donc garder le silence devant le Seigneur pendant que nous nous confions à lui dans l'espérance. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient dans le monde, c'est pour nous secourir, c'est pour prendre en main nos combats, c'est pour lutter à notre place, car il a versé son sang pour nous. Comme Jean 16, 33 dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Quel que soit le domaine de notre combat, au travail, à la maison, dans la famille, avec les amis, il est impossible de gagner nos combats sans celui qui a vaincu le monde. 1 Pierre 3, 15 dit, « Mais sanctifiez vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est notre héros. Il est toujours prêt à nous défendre devant toutes les situations difficiles dont nous pouvons nous trouver. Mais nous devons abandonner ces situations entre ses bras et le laisser prendre les devants en toutes choses. Il ne nous délaissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Notre combat est pour lui. Prions pour Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur d'avoir ouvert un livre de souvenirs pour nous, tes enfants. Pendant que nous avons les tribulations dans ce monde, pendant que nous souffrons et pleurons, tu enregistres chacune de nos cris et tu te prépares minutieusement à combattre pour nous. Tu nous secours, tu nous consoles et tu nous réconfortes devant toutes ces multiples difficultés. Tu nous bénis abondamment. Nous pouvons rester dans l'espérance que tu apporteras dans nos vies la victoire dont nous avons besoin au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voici à la fin de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant et nous pouvons compter sur son secours pour combattre à notre place pour une victoire assurée dans tout ce qui peut être un objet de grand souci pour nous. Nous devons donc avoir foi en lui. Comme Éphésiens 6, 10 dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Dans notre faiblesse immense, nous pouvons trouver notre force et notre refuge en lui. Ouvrez grandement vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans son amour, allez dans sa paix, allez dans sa force. Allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique.